tout d'autres. Les faits, ils sont connus, la chronologie, elle est connue, d'accord. D'une, sur la grille qui est entrée, sur la grille, il y a marqué résidence universitaire Crous, d'accord. Il n'y a même pas marqué hôpital, donc c'est même pas sûr que tout le monde soit au courant du fait qu'il rentrait dans un hôpital. Deuxième chose. Dernière chose, vous êtes juste devant la grille et il y a un instant, David Guiraud disait que ce n'est pas inscrit. L'hôpital. Les gens entrent dans cet endroit et ne savent pas forcément que c'est un hôpital. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas de marque de nom de l'hôpital là où vous êtes? Alors la seule marque qu'on peut vous montrer, c'est ici en fait. Je vous la cite, les services de la vie étudiante, Crous Paris, résidence universitaire, Pitié. Mais en effet, il n'y a pas écrit que c'est un hôpital. C'est intéressant et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir le maximum d'informations pour essayer toujours de comprendre. Merci, Laurie. Il dit quoi le témoignage, pardon? En quoi il contredit? Il y a des gens qui ont voulu entrer et qui ont attaqué les vitres. Bah, c'est ce qu'elle nous... Bah, vous n'avez pas écouté. Il y a une question de vitre, mais il n'y a pas la question de l'agression. Et qu'il y avait des gens qui voulaient entrer. C'est un témoignage avec des gens qui étaient manifestement belliqueux. C'est ce que nous a dit Laurie Cadec il y a une seconde. Il n'est pas question d'agression ni d'agression des personnels. Et qu'ils voulaient rentrer, donc on les a empêchés de rentrer. Je vous parle quand même d'un ministre... Attendez, mais il y a un ministre de l'Intérieur, pardon. Il y a un ministre de l'Intérieur qui affirme des choses. Votre boulot, c'est quand même de vérifier si ça l'est ou pas. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas... Est-ce qu'on est d'accord? Recevoir une leçon de journaliste de la France insoumise, mais je pense que là, je vais peut-être changer, si vous me permettez, de ton, parce que j'ai pas de leçon de journaliste à recevoir de la France insoumise. Vous êtes là pour vous servir clairement et instrumentaliser ce qui s'est passé hier, de la même manière. Effectivement, vous êtes là depuis le départ, donc vous n'êtes pas du tout dans une démarche objective, puisque vous voulez vous en servir pour faire votre... Là, parce que vous ne l'avez pas entendu, le témoignage contradictoire. Non, s'il vous plaît, il faut que la parole circule. Oui, mais pardon, mais... Mais vous ne pouvez pas parler tout le temps. À chaque fois, je veux dire, non, mais c'est très compliqué, la France insoumise, de vous avoir sur les plateaux, parce que vous parlez tout le temps. C'est vrai, c'est chiant. Non, mais est-ce que vous pouvez laisser parler Est-ce que c'est possible que quelqu'un d'autre que parle que vous, allez, sur un plateau, allez-y. Monsieur Sikodi, c'est mon job de journaliste, vous savez. Allez-y. On a tous en mémoire.